Salut petit sunshine, j'espère que tu passes une superbe journée. Aujourd'hui, on va faire une tartelette avec une mousse au chocolat dessus. Enfin, tu vas voir, c'est une tartelette au chocolat. Un délice. Dans cette recette, tu vas avoir besoin d'un robot culinaire et d'un déshydrateur. Allez, c'est parti! Allez, on va commencer avec le fond de la tartelette et comme ingrédient, on va utiliser des amandes, des graines de lin, de la farine de coco et du sirop d'érable. On va commencer par mixer les amandes et les graines de lin ensemble pour avoir quelque chose de bien mixte. Ensuite, on ajoute de la farine de coco et puis on termine avec le sirop d'érable. Voilà, on a une superbe texture, on va pouvoir l'utiliser pour faire le fond de la tartelette. Alors pour faire le fond de tarte, j'ai utilisé un petit moule en acier. Si vous en avez pas, vous pouvez le faire à la main, bien sûr. Allez, direction le déshydrateur pour quelques heures. Personnellement, je l'ai mis 4 à 5 heures à 40 degrés. On va préparer maintenant le topping au chocolat, donc on va retrouver du cacao cru, de l'orange, de l'avocat, de l'huile de coco et puis des dattes. Ça va être très rapide, vous allez voir, donc là on découpe les avocats et on ajoute tous les ingrédients au robot. Bien sûr, la mixture n'est pas assez liquide, vous pouvez rajouter du jus d'orange et si elle n'est pas assez sucrée, vous rajoutez des dattes. Voilà, une fois que les fonds de tartelettes sont prêts, et ben on met la préparation au chocolat dessus. Pour la déco, j'ai rajouté un petit peu de zeste d'orange et un petit peu de cacao cru saupoudré. Et ensuite, direction le frigo pour une petite heure. Et voilà, c'est terminé! Voilà, cette recette est terminée, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très très vite pour une prochaine aventure. Salut, ciao ciao!